Bonjour YouTube, bonjour mes amis, ravi d'avoir trouvé. Nous allons voir comment utiliser le tableau quasi dynamique pour analyser cette table. Nous avons dans la colonne A, ID student, nous avons dans la colonne B, les matières, et dans C et D, E, nous avons des notes. Donc, première des choses, on va sélectionner toute cette table. Et on va cliquer sur insertion. Puis dans les tableaux, on a tableau quasi dynamique. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution, on fait un clic droit. Et dans le menu, vous avez ici, analyse rapide. Dans analyse rapide, vous avez tableau. Ici, nous avons tableau quasi dynamique. Ils sont déjà prêts ici. La note 1 par matière, note 2 par matière, note 3 par matière, etc. Si je prends par exemple note 2 par matière, ou bien la note 1, et je valide, j'ai immédiatement tableau quasi dynamique ici, qui contient la note 1. Bien sûr, par défaut, c'est la somme. On peut faire un double clic ici. Au lieu d'avoir la somme, on va faire nombre. Et voilà, nous avons le nombre de notes ici. Mais supposons que nous voulons calculer, par exemple, l'absence. L'absence, c'est les notes vides ici. On va prendre un clic droit. On fait afficher les deux champs. On va ajouter les matières dans le champ des valeurs. On ferme cette boîte de dialogue. Et vous voyez la différence. Ça veut dire les cellules vides ici. Donc on va faire ici égal. La cellule C4. La cellule C4 moins B4. Et voilà l'absence ici. Si on fait comme ça, et voilà. Et voilà, vous avez ici la note 1 selon les matières. On a ici mathématiques et sciences de l'ingénieur. Mais supposons que nous voulons calculer l'absence. Ça veut dire les cellules vides ici. Donc dans ce cas-là, on peut ajouter matière dans les champs des valeurs. Donc les champs des matières, on a ici. On a ici le nombre des matières. On a ici le nombre des notes. Donc pour l'absence, on fait égal. La cellule C4 moins la cellule C4 moins la cellule B4. Et voilà l'absence selon les matières. Maintenant, supposons que nous voulons analyser la note 2 au lieu d'avoir la note 1. On fait clic droit, fichier liste des champs, on va ajouter note 2. On décoche note 1. On voit ici la somme. Si on fait un double clic, on prend le nombre. Donc on a ici le nombre des notes et vous voyez ici l'absence, c'est la différence. La différence c'est 1 ici et 1 ici. Et pour la note 3, on fait clic droit, afficher liste des champs. On enlève note 2, on coche note 3. Au lieu de faire la somme, on fait un double clic. On prend le nombre des notes. Et voilà, nous avons les nombres. Donc l'absence ici, on va faire égal B4 moins C4. Donc nous avons les absents ici, dans les maths, et les absents des sciences de l'ingénieur. On enlève cette colonne. Maintenant, supposons que nous voulons avoir la liste des absents. Avec clic droit, afficher liste des champs. Donc, on peut décocher tout ça. On prend matière, on va les mettre dans les lignes, et dans les colonnes. On prend les notes, on va les mettre dans les lignes. Et on prend les matières, on va les mettre dans les valeurs. Et on ferme cette boîte de dialogue. Maintenant, pour les matières, on va faire un clic droit. On va ordonner ça. On va trier. Plus petit ou plus grand. Clic droit. Ordonner. On vient trier. Plus grand, plus petit. Et vous voyez ici, les cellules vides. Si dans la matière, les mathématiques, on laisse les vides, si on fait un double clic ici, je vais avoir les listes des élèves qui n'ont pas la note en mathématiques. Et pour la science d'ingénieur, dans les cellules vides, on a la cellule C8, on fait un double clic. On a ici, on fait un double clic. On a ici la liste des élèves qui n'ont pas la note 1. Ça, c'est pour la note 1. Fichier la liste des champs, au lieu d'avoir la note 1. On va l'enlever. On va prendre la note 2 dans les lignes. Dans les maths, on va faire clic droit. Trier, plus grand, plus petit. Clic droit, trier, plus petit ou plus grand. On va trier de A à Z. On va chercher vite. Donc, on a ici le total. Si on fait un double clic, on a ici la liste des élèves qui n'ont pas la note numéro 2. Ces élèves-là n'ont pas la note numéro 2, sont absents. Ça, c'est pour la note numéro 2. On fait clic droit, afficher les champs.
On décoche note 2, on fait note 3. On va pas faire 100, mais on va faire la ligne ici. On ferme cette boîte de dialogue. Et vide ici. On a ici le total 3. Donc je fais un double clic. Voilà les élèves qui n'ont pas troisième note. Qui sont absents pour la troisième note. Voilà leur identification. Merci pour votre attention. Merci de nous suivre. Merci d'activer toutes les notifications pour recevoir des vidéos utiles et agréables.